Une délégation d'élus américains d'origine haïtienne est venue faire une visite d'exploration. Ils se sont rendus dans le sud. Ils étaient au nombre de 8, si j'ai bien compris. À leur tête se trouvait le docteur Alix Désulmé que nous avons ce soir en visioconférence. Bonsoir docteur Désulmé. Bonsoir et c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous après-midi et pour me saluer. Tout auditeur et auditrice qui apprend des moins après-midi. D'accord. Et avec le docteur Désulmé, nous avons Mme Marie Woodson tout qui est là, sous écran avec vous. Mais nous commençons à voir, sous même qui était chef de délégation. Donc, rappelez-moi comment va y passé. Nous faisons un jour en Haïti, un jour complet. Oui, c'est ça. Encore, nous, moi, c'est Alix Désulmé, c'est moi qui est chairman de Haitian American Elected Official Network. Qui ont réseau qui vient tout haïtien américain qui est élu en Haïti. Nous te pensé que c'est très important, nous avons une réunion très importante demain, si Dieu voulait, avec le White House. Que nous pensons que pas seulement pour nous descendre en Haïti, pour regarder la situation, pour nous connaître ça, que ni gouvernement haïtien et gouvernement américain, que nous tous qui dans le réseau représenté en pile nous toute là c'est américain nous y est mais c'est en pile nous c'est haïtien américain ça veut dire en pile dans monde dans groupe là nous fait en Haïti comme on dit l'embrit nous enterré en Haïti nous on bagaille dans groupe là même si gain papa les créoles bien ou connaît créole on a fini tellement bien tout nous mais gain créole yo plus mal passé moi et gain pas qui pas même qu'on Haïti même mais nous avons bagarre en commun nous toute la remet Haïti et nous voulons pour Haïti avancer. So groupe là grand fait de 80 élus qui dans office Kounia là qui est juge toute bagarre la dernière député sénateur etc et nous des former monde qui était dans office déjà qui l'ont additionné presque dans 150 élus haïtiens américains qui en dans réseau. Nous pensons qu'il était très important pour nous parler ensemble avec deux gouvernements pour nous qui responsables, qui plan pour les après partir en Haïti et qui j'en savent passer et qui j'en savent faire. Ok. Mais docteur Désulmé, donc pourquoi nous faisons journée entière en Haïti qui bon t'es allé? Oui, nous t'es atterri à nous t'es deux délégations, nous t'es une délégation New York, nous j'ai à quatre fini. Nous étions supposés entrer avant nous, mais unfortunately avec de New York, ils étaient venus après nous. Sur nos mêmes délégations New York, en Floride là, qui étaient député peuple Amkadi, Marie Woodson qui là ensemble avec nous, avec l'autre membre qui était ensemble avec nous dans le groupe ça, nous étions entrés à 9h, nous quittions ici à 9h30, nous entrions à 11h30 en Haïti, et quoi nous entrions, c'est juste process, et puis tout là. Salon diplomatique là, et puis nous rencontrer avec deux, trois membres. Et puis tout à midi, nous prenons l'hélicoptère pour nous faire assessment de ma niche pour nous voir qui s'est passé. Et il est très important pour voyager ça, nous te faire un hélicoptère, peut-être son ou est bagaille dans l'autre perspective. Pendant nos chita ici, là, nous avons un monde qui a bagaille pour nous dans WhatsApp, dans l'autre social media. Et le différent, le regarder bagaille totalement pour après l'école crasée net. Pour après qu'il y a tout petit temps collé ensemble. Et l'hélicoptère qui passe tout de boyau, tout de côté dans une zone, font bon virage, mais avec notre musique a réellement fait une très très belle évaluation. OK. Donc, mais nous pas atterri, nous pas descendre pour un contact à Mounio. Non, nous pas faire ça. Peut-être, là, nous arrivés à 11h30. Que nous avons un dernier groupe qui t'a supposé vivre le temps trop tard. Même peut-être on connaît en Haïti, midi, c'est presque deux demi-journées qui sont du passé. Ok. J'en ai dit non à cause de qui j'en ai dit ça, wind qui vent, c'est de l'hélicoptère. Et c'est chaque jour, ils ont changé route, ils ont fait avec un militaire, ils ont fait comme ça. Son mari qui était très très spécifique, qui nous a dit nous avons bien chance pour nous descendre à cause du titan. Nous avons dit on pack schedule tout. Après ça, nous avons venu pour rencontrer le premier ministre là et avec l'ambassade américaine. Très bien, très bien. Maintenant, docteur Désulmé, qui est-ce qui pourrait parler nous de qui s'est fait de Kounia là? Est-ce que c'est vous-même ou bien est-ce que c'est Mme Woodson?
Non, ça c'est député Woodson, qui est state representative Woodson, et nous m'a apprenti le nom Bowol, dans sous affaire sous affaire earthquake relief là, donc un comité qui campait, et m'a différents membres m'étaient pour jouer quelques rôles clés dans l'effort ça. Et Madame Woodson, c'est lui qui chairwoman, ça nous est les finances, le fundraising comité, qui pour me checker pas seulement que nous avons ça nous voulons pour nous coopérer. So, c'est avec honneur, avec tout respect, pour moi introduire une maman, et c'est l'équipe comme élu dans l'État Floride là, qui est Marie Woodson. Eh bien, docteur Desulmes, merci en pile de ce côté venir joindre nous, même si c'est par visioconférence, mais si vous précisez au bon nouveau. Donc, on y est là, on va parler avec Madame Marie-Paul Woodson. Merci, docteur Desulmes, à bientôt et puis bonne chance. Merci. Madame Woodson. Merci beaucoup du fait qu'on a moins opportunité pour me parler avec mon capote surtout en Haïti et tout l'autre côté. Et m'a dit que Chairman Alex Desulmes fait un bon travail dans côté hier, il était organisé un bon groupe de nous-mêmes qui élus aux États-Unis pour nous aller en Haïti, pour nous aller où ça a passé dans le pays côté nous te faire. Hein? Ensuite, pour nous te faire une conversation avec le Premier ministre, ensemble tout avec ambassadeur haïtien, ambassadeur américain, USAID, US Command qui en Haïti as well, Air Force, US Air Force qui te permettent que nous t'aller pour nous te ouais pendant que nous t'es dans l'hélicoptère là pour nous ouais qui s'est passé dans le pays les cailles qui j'en frère nous yo avec soeur nous yo dans une situation très difficile. OK, très bien, Madame Woodson, mais écoutez là, alors à quoi faut-il s'attendre? Qui ça, concrètement, qui ça nous va le faire? Nous pourrons faire des relevés de fonds, nous pourrons faire des rassembler, manger, faire toute qualité. Bah, c'est travail ça, nous pourrons le faire qu'on y est là. Exactement. Comme tu as maintenant dit au groupe, ça nous parle en Haïti parce que, comme haïtien américain qui est élu, que nous toujours en Haïti, même là que nous ici, nous avons représenté ici, nous avons fait travail ici. Bu voyage là, premièrement, c'est pour nous parler qui sont en bagaille. Deuxièmement, pour nous demander l'administration haïtienne, comme on connaît le Premier ministre, avec tout l'autre monde qui est dans le ministère, l'autre ministère et tout, qui gens que nous-mêmes, comme diaspora, que nous travaillons avec eux pour nous porter aide par nous, pour nous voir qui gens nous aider pays par nous. Nous parlons de qui ça pour nous faire, ni nous parlons de but comme moun qui voyager à l'étranger, qui visiter l'autre pays, qui ouais qui j'en bagaille, so nous voulons faire contribution par nous. Et ça nous te fait, comme chairman dans son dos, nous organiser comme élus dans le pays aux États-Unis, pas juste dans Floride là seulement, tout aux États-Unis, dans tout État. Nous prenons, nous mettons tête ensemble, nous dit, tu as trop l'argent qui t'est perdu, le tremblement de terre là t'est passé en 2010. T'es gampé l'argent que vous t'es voyé pour payer, que vous t'es dit l'argent ça pour payer, et nous t'es ouais que l'argent ça n'a pas fait travail pour t'es fait vraiment. So, comme leader, nous prenons un rôle pour nous dire, nous ramasser contribution ici, but si on nous dit, li bay une donation, li dit contribution ça c'est pour telle organisation, nous bay organisation en l'argent, but nous gagnons un portal tout que nous ouvrons. Tout le monde qui ramasse l'argent, qui joigne l'argent, pour yo mettre dans le portal là, qui ça que vous faites avec l'argent, combien l'argent vous recevez, qui ça vous fait avec l'argent, et puis pour yo gagner preuve tout, que vous travaillez dans les cailles pour aider les gens pendant un moment difficile. Ça. Et tout le monde a obligé de reporter la donnée dans le portal là. Si vous pas reporter, des médias partis d'ailleurs pour dire qui ça vous fait avec l'argent, pour yo bail qui ça vous fait avec l'argent. Nous-mêmes, si vous avez l'argent, tout que vous mettez, que ou pas mettre nos organisations pour bailler l'argent ça, ça n'a fait, n'a pris l'argent ça, n'a bail organisation qui montrait que ou gagne dossier dans les cailles, que ou qu'on fait travail humanitaire dans les cailles, pour yo ka di OK si c'était caille à bâti, pour yo di men caille à bâti, si c'était monde dans la santé que a travail pour aider moun yo, pour yo di men ça a été fait,
pour l'argent ou pas passer en vain, j'en que vous êtes passé encore. C'est but ça, nous besoin mettre transparency avec accountability. So, si on monde gère ça, on supposé montrer qui ça va faire. Ensuite, on supposé responsable pour ça, on dit ou va faire pour faire. So, c'est dans but ça, nous t'a rencontré avec yo. Nous parler avec yo, nous pas dit c'est n'a vinn teko, c'est pas prendre n'a vinn prendre pour chef. C'est aider, nous voulons aider. So hier, c'était un commencement, une relation que nous avons besoin de faire avec l'État haïtien, avec l'administration haïtienne, pour nous voir qui Jean Petit en Haïti a contribué dans le développement en Haïti, dans le progrès en Haïti. Parce que ce pays nous a trop bel petit pays, li offre trop pour nous pas contribuer dans l'aider. Parce que nous connaissons Haïti passé en catastrophe à en catastrophe. Kounia y a deal avec un pile crise qui gagne ou gagne crise COVID ou gagne crise earthquake là qui passé ou gagne crise l'école qui tombé ou gagne crise assassination président qui fait ou gagne toute qualité crise non pays ou gagne earthquake qui passé en 2010 gagne l'autre encore qui vient passer. So Haïti a deal avec un pile bagay. So nous mêmes ça nous a fait n'a pas essayé by aide par nous at least pour nous carrer des pays à avancer à la. Merci beaucoup, Madame Wilson. Et moi-même, j'ai deux bagages moins ouais que qui est très important dans le discours fait. Vous mettez l'accent sur la transparence et vous mettez l'accent sur le contrôle. Ouais, en effet, que ces deux bagages que tout le monde attend en Haïti, parce que tu prends exemple 2010 là, il y a des milliards de dollars qui rentraient en Haïti, personne ne va voir côté le fait. Et c'est une très bonne chose, sous très bonne initiative, de dessiner que tout bagage nous-mêmes, sous bon pas nous n'a fait, fois ça, la fête dans transparence à la fête avec un pile contrôle. Merci beaucoup, Madame Woodson. Malheureusement, le temps est passé très vite, mais je souhaite nous un pile courage et je souhaite que nous avons réussi à porter une aide très importante à tout le Sud, pas seulement Maniche, pas seulement les Cailles, mais tout le côté qui est frappé. Merci un pile pour vous, merci pour Haïti et bonne continuation. Mais et moi-même Abdou, merci tout pour bon travail que vous avez fait. So, I'm sorry du fait que nous pas plus de temps pour nous parler. Mais nous promets tout n'importe le encore courriel nous bien qu'on besoin, ou toujours ca joindre nous ou gain contact Alex, on pas connaît sou gain contact pas, on pas veut bali sous l'air là. Non. Ou capable de joindre même ca bon un email ou ca email moi ou comprendre très vite. So n'importe leur besoin nous n'a fait t'y parler avec eux puis n'a make sure que moun yo connaît ça qu'a passé pour nous ba information parce que comme devise nous dit l'union fait la force et magnifique. C'est ça que nous devons faire. Merci beaucoup Madame Woodson, bonne fin de journée, à bientôt. Merci beaucoup, bon après-midi, à la prochaine. Voilà, après le docteur Alix Desulmé, qui était le chairman, le principal accompagnateur de cette délégation, nous avons eu Madame Marie-Paul Woodson, qui nous ont fait part de leur initiative pour venir en aide au Sud.